Salut, c'est Fred, j'espère que tu as la forme, je suis content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, en fait, je voudrais te parler de la routine matinale. Alors, j'ai quelques notes. En fait, je t'explique qu'est-ce qui m'a motivé à faire cette vidéo. J'étais en train de me poser, de prendre un temps pour réfléchir à ma routine matinale. Une routine matinale, c'est quoi? C'est comment tu démarres ta journée, ok? C'est-à-dire que la manière dont tu vas démarrer ta journée va donner l'élan dans laquelle la dynamique de ta journée. Si tu démarres par exemple ta journée en mode de stress, tu te lèves le matin, tu cours partout, mon Dieu, c'est la panique, c'est tout ça. Tu es dans un état de stress et tu le sens, ok? Ce stress, tu vas avoir du mal, il va s'étaler sur la journée et tu vas avoir tendance à le garder, à le cultiver comme ça tout au long de la journée. Ou alors il va peut-être disparaître, mais il va rester quand même un moment et il va avoir de l'influence forcément sur ta journée. Donc la manière dont tu démarres ta journée est extrêmement importante. Pour mettre toutes les chances de ton côté, en tout cas moi c'est ce que je fais. Tu sais, il y a toujours cette histoire de comment je communique avec moi-même. Donc, comment moi, pour mettre toutes les chances de mon côté, en fait, pour passer une bonne journée, bien ouvert au possible, focus sur le positif et sur ce que j'aime, en fait, tout simplement, ok? Sur le bien-être, d'accord? Eh bien, je me suis mis en place ce qu'on appelle donc une routine matinale. C'est-à-dire que je démarre ma journée avec une mécanique bien précise. Où est-ce que j'ai les mêmes choses, la routine, ok? Donc je fais les mêmes choses comme ça tous les matins, des choses qui me font plaisir et qui me font du bien, qui font que je démarre ma journée avec le plaisir, la joie, le sourire et je me sens bien. Voilà. Déjà que je me lève le matin avec la banane, tu vois, parce que je suis content de me réveiller. Yes, c'est cool. Déjà ça, c'est super. Et du coup, de savoir en plus que j'ai ma routine matinale pour me faire plaisir qui va suivre ce réveil. Ça me fait encore plus de bien, ça me motive encore plus à me lever. Donc, l'idée, c'est justement de réfléchir à ta routine à toi. Okay? Si ça te branche, de démarrer ta journée en mode positif, en mode bien et te donner toutes les chances, okay, de passer une bonne journée, d'être dans une bonne dynamique, hein, eh bien, je t'invite donc à réfléchir à ta routine matinale à toi. Moi, pour moi, le top d'une routine matinale, c'est 1 heure. Voilà, c'est pendant ma première heure de la journée. Je consacre ma première heure de la journée vraiment 100% à mon propre plaisir. C'est juste pour moi. Ok, je vais me communiquer, je vais me faire un plaisir de dingue et je vais me communiquer justement comme ça une bonne énergie, tu vois, une bonne dynamique pour me lancer dans ma journée. Et donc, je travaille sur 1 heure. Qu'est-ce que je fais? Alors, jusque-là, j'avais une routine qui était ce qu'elle était, soit, mais je me suis dit, là, je réfléchissais justement, et il y a des choses qui me font plus autant plaisir. C'est bien, tu vois, de se remettre en question aussi, et de voir qu'est-ce que, tiens, bah, c'est vrai que ça, j'ai tendance à le faire, mais je le bâcle un petit peu. Je t'avoue qu'à une période, je faisais 120 pompes tous les matins. Au bout d'un moment, ça commençait un petit peu à me faire chier, tu vois. Donc, du coup, ça m'usait, ça c'était fatigant, ça c'était plus du plaisir. Donc, comme c'est plus du plaisir, c'est fatigant. Il n'y a plus de motivation, tu comprends? Donc, ça devient frustrant. Je commence à continuer à le faire par principe, mais du coup, je m'auto-sabotais. Donc, j'ai dit stop. Il y a des trucs qui vont plus là. Maintenant, tu vas prendre du recul, tu vas te poser, et puis tu vas réfléchir à définir une nouvelle routine matinale qui te convient au moment présent, comment tu es maintenant dans ta vie. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et moi, dans ma routine matinale, eh bien, la toute nouvelle, là que je viens de terminer d'écrire, en fait, j'étais justement en train de réfléchir à ça. Tu vois, j'ai marqué, je sais pas si tu vois, routine matinale, objectif, plaisir. Bah, je sais pas si t'arrives à me lire. J'ai une écriture de cochon. Voilà. Donc, objectif plaisir, ça c'est vraiment le truc essentiel, ok? Cette routine matinale, c'est du plaisir. J'insiste beaucoup, je sais que je me répète avec ce truc-là, mais c'est vraiment une notion très importante. Te faire plaisir pour démarrer ta journée, ça va te donner envie de te lever, ça va te donner envie de passer une bonne journée, ok? Et de continuer à prendre soin de toi. Surtout en plus, si tu es dans une dynamique de ton propre business, ta propre activité. Ça aère la tête, ça fait du bien et ça met dans de bonnes conditions pour bien travailler. Donc, moi, ma nouvelle, c'est déjà, je suis un lève-tôt, okay? J'aime me lever tôt, voilà, je suis comme ça, j'adore ça, j'aime me lever quand il fait encore nuit, pour pouvoir avoir le lever du soleil le matin, pour entendre le bruit des oiseaux, la nature, j'adore ça, je trouve ça me fait un bien incroyable.
Donc, moi, j'ai marqué sur ma nouvelle routine matinale, lever 6 heures. Dorénavant, je ferai en sorte de me lever tous les matins à 6 heures. Là, jusque-là, c'était entre 5 heures et 7 heures. J'oscillais un peu entre les deux. Des fois, c'était plus 4h30, 5 heures. Des fois, c'était plus 7 heures, 7h30. Je t'avoue, ça dépend des jours. Des fois, exceptionnellement, ça m'arrive de traîner. Mais en général, c'est, on va dire, entre 5 et 7 heures. Là, maintenant, je vais rester bien fixe. Ça va être tous les matins 6 heures. Ensuite, ce que je vais faire juste par la suite, tu vois, ça va être boire un citron vert pressé. Un bon citron vert pressé, tu vois, ça c'est très bon, ça réduit en fait l'acidité, même si c'est acide au goût, en fait ça réduit l'acidité de ton corps et c'est excellent pour ton corps justement. Ça élimine des toxines, enfin c'est vraiment super de démarrer la journée avec ça. Après avoir bu mon citron vert, je vais faire des étirements et des échauffements. C'est très très bon de s'étirer et de s'échauffer. J'avais tendance à une période à faire ça de manière un peu excessive, j'ai envie de dire. Là, je vais juste me contenter de faire voilà des étirements pour les épaules, tu vois, les articulations, travailler les articulations, bien m'étirer et m'échauffer en même temps, ok? La nuque, tout ça, prendre le temps comme ça de bien échauffer mon corps et de bien m'étirer. C'est bon pour les articulations, c'est très très bon. Ça fait circuler, ça dénoue des choses, ça fait circuler les énergies, c'est fantastique. Ensuite, je me suis marqué, je vais me faire 3 séries de 20 squats. Je sais pas si tu sais les squats, c'est tu fléchis sur les jambes, sur les genoux, là tu fléchis, tu te relèves, voilà. Donc je vais faire 3 séries de 20 comme ça. À une époque, j'étais aussi un peu excessif là-dedans, donc c'est pour ça que j'ai réduit la dose. Okay, je vais faire 3 séries de 20 squats maintenant. Ça va assez vite, hein. C'est pas un truc qui prend un temps considérable. Ensuite, je me fais 3 séries de 20 pompes. Voilà, ça fait que 60. Tu vois, j'ai réduit une moitié, hein. Mais 120 pompes, je suis passé à 60. Là, au moins, j'ai du plaisir à faire juste 3 séries de 20. C'est un plaisir pour moi. Et voilà, c'est suffisant. Après, ensuite, boire un grand verre d'eau. J'ai marqué. Ok, tout ça, c'est marqué, hein. Tout ce que je te dis là, c'est mon petit listing pour ma nouvelle routine. Donc, ça va être boire un grand verre d'eau. C'est important de s'hydrater. Il faut boire de l'eau. Tu sais, on dit que quand tu as soif, c'est que tu es déjà en déshydratation. Donc, boire régulièrement dans la journée sans attendre d'avoir soif, c'est le top, en fait. Voilà. Apporter de l'eau à ton corps. On est presque 70% de notre corps, c'est de la flotte. Donc, c'est bien de la renouveler, cette eau. Hein, tu transpires, voilà, tu vas aux toilettes. C'est bien de renouveler cette eau. OK? C'est la nourriture de tes cellules. Ensuite, j'ai mis, après avoir bu mon grand verre d'eau, ok, là, je vais passer en mode me poser, donc je vais me boire mon café, ok, en regardant une vidéo inspirante. Parce que je me suis rendu compte que j'aime bien comme ça, j'avais tendance des fois dans la journée, dès que j'avais un petit temps ou quoi, à me regarder une vidéo ou un truc. Et là, je me suis dit, non, tu vas mettre ça au début de ta journée, une vidéo dans la journée que tu vas te faire plaisir. Une vidéo inspirante, et ça va être donc le matin, dorénavant. Donc, en buvant mon café, je vais me regarder une petite vidéo inspirante, tu sais, comme on en trouve sur Internet, là, il y a tas de vidéos comme ça, qui font du bien à regarder. Ah, ça te donne envie de sourire, ça t'ouvre, tu te dis, mais ouais, mais c'est génial, en fait. Tu vois, ce genre de vidéo comme ça, qui t'inspire comme ça, du positif, quoi. Donc, voilà, je me regarderai une vidéo comme ça, il y en a souvent des qui durent entre 10 et 20 minutes. Donc, je vais me mater ça, ok. Peut-être que toi, si t'as envie de te faire, il y a des vidéos inspirantes dans ma chaîne, ok. Si t'as envie de regarder mes vidéos inspirantes pour démarrer le matin, vas-y. Donc, je vais faire ça en buvant mon café. Et après, dernière chose, ça va être une méditation, ok. Mon rythme cardiaque va être redescendu suite aux pompes que je vais avoir fait, les exercices en buvant mon café. Donc, mon rythme cardiaque redescend, je me serai posé. Et là, après ma vidéo inspirante qui me fait du bien et qui m'ouvre, eh bien, c'est le bon moment pour faire 15 minutes de méditation. Voilà. Ma petite séance de méditation, 15 minutes, ok? Et 15 minutes bien calibrées, hein, parce qu'à des fois, pareil, à une époque, je faisais des séances d'1 heure, enfin, bref, la méditation, j'ai essayé de plein de manières différentes. Le plus longtemps que j'ai tapé en méditation, je crois que j'ai dû rester 5 ou 6 heures en mode méditatif. Donc, voilà, tu vois, bon, ça remonte à quelques années, mais voilà, donc la médite. Ça fait vraiment beaucoup de bien, mais il faut aussi savoir calibrer le truc. Structurer, quoi. Donc, dans ma nouvelle routine matinale, il y aura la méditation 15 minutes. Et donc, voilà, ma routine est terminée. En gros, je vais en avoir le temps de faire tout ça, en prenant mon temps, de bien faire les choses. J'en aurai à peu près pour 1 heure, voilà.
peut-être un peu moins, je pense, dans les 50 minutes, à peu près. Mais voilà, ça c'est ma nouvelle routine matinale que je vais donc m'appliquer tous les jours dorénavant, parce que en ayant bien réfléchi, bien sûr, en amont, j'ai bien réfléchi à qu'est-ce qui me ferait plaisir de faire tous les matins pour démarrer ma journée dans une dynamique positive et qui me fait du bien et qui, yes, qui m'ouvre encore plus, quoi. Ok? Donc, comme je l'ai marqué après, tu vois, et c'est parti pour une super journée. Voilà. Donc, cette routine matinale, ça c'est la mienne bien sûr, mais je t'invite vraiment à réfléchir à ça. Comment est-ce que tu démarres habituellement ta journée? Est-ce que tu as une routine matinale? Est-ce que cette routine te fait du bien ou est-ce que plutôt elle te dessert? Réfléchis à ça. Et puis, comment est-ce que justement, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place comme ça, le matin, pour démarrer ta journée dans une bonne dynamique? Si tu as envie justement d'oser vivre ta vie, si tu es dans cette dynamique comme ça de vouloir te faire plaisir, de vivre ta vie ouvertement, avec la joie, le plaisir, être heureux, ok? Eh bien, donc dans ce cas-là, tu es forcément ouvert à toutes ces astuces, ok, qui te tirent vers le haut. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que tu voudrais mettre en place comme routine matinale, toi? Je t'invite à réfléchir à ça, ces petits trucs comme ça. Moi, je pense qu'une heure tous les matins consacré à ce moment de plaisir, une heure de plaisir pur, intense pour soi-même, c'est parfait, voilà, pour démarrer la journée. Mais bon, il y a des fois, est-ce que tu n'as peut-être pas toujours le temps, je ne sais pas, selon ce que tu peux vivre, ok, selon le métier que tu fais, peut-être que des fois tu as des urgences, j'en sais rien. Dans ce cas-là, tu peux aussi te faire une mini-routine à côté, te préparer une grosse routine d'une heure, et puis la petite routine de sauvegarde, pour quand t'es pressé et que t'as pas beaucoup de temps, ok, la routine minute, ok, par exemple, moi, au lieu de faire 3 séries de 20 squats, eh bien, peut-être que je ferais 10 squats et 10 pompes, hop, tu vois, dans ma version ultra rapide. Bon, je t'inviterai à réfléchir à cette solution, d'accord, de routine quotidienne, routine matinale, pour te faire du bien, te faire plaisir. Qu'est-ce qui te ferait du bien à toi, ok, avec quoi est-ce que t'aimerais démarrer la journée comme ça pour inspirer comme ça une bonne journée, une bonne dynamique positive. Réfléchis à ça, mets-le à l'écrit, parce que c'est important de l'écrire. Se le dire, ça s'envole, les mots, ça s'envole. De prendre un temps comme ça, de se poser tranquillement et de prendre de quoi écrire, et tu réfléchis à qu'est-ce que tu aimerais faire comme ça le matin pour démarrer ta journée dans le plaisir et la joie, ok ? De l'écrire, ça va te forcer à y réfléchir et à y donner du sens. Okay. Et puis cette feuille, après, tu peux te l'afficher à un endroit stratégique où est-ce que, comme ça, tu ne peux pas la rater. Voilà. Tu sais que ça, c'est ta routine tous les jours. Et après, au fur et à mesure, ça va être rodé. Tu n'auras plus besoin de lire la feuille tous les jours. Tu vas savoir, dorénavant, tu vas savoir d'office, en fait, ta marche à suivre, okay, habituelle. Et s'il y a un moment donné, dans ta routine matinale, tu commences à te dire, ouais, ça me fait chier, j'aime pas trop, stop. Tu arrêtes le truc qui te fait chier et qui te plaît pas trop, d'accord, tu l'enlèves et tu le transformes en autre chose. Tu mets autre chose à la place, quelque chose qui te ferait plaisir. Il faut tester, parce qu'il n'y a qu'en testant qu'on sait si ça marche. Ok? Si tu testes pas, tu peux pas savoir. Tu vas faire des suppositions. Et les suppositions, bah, c'est du vent. Ça veut rien dire. Ok? Bon, sur ce, je t'invite à liker, commenter, partager cette vidéo comme d'hab. J'espère qu'elle t'a apporté encore des solutions pour te permettre d'y voir plus clair et d'oser plus vivre ta vie. Je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. T'es au top. Yes. Ose vivre ta vie. T'es extraordinaire. Tu le mérites. Je te dis à demain. Ciao, ciao.